culture. Et une triste nouvelle pour le monde artistique ce matin. Avec nous, Salim Brahimi, bonjour. Bonjour Souraya, bonjour, bonjour Hakim. Oui, absolument, une triste nouvelle pour le monde des arts algériens et particulièrement de la chanson Raï, qui a été classée, on le rappelle, patrimoine de l'humanité à l'UNESCO. On connaissait le commissaire du festival de la chanson Raï, il s'appelait Mohamed Bousmaha. Donc... Appelé la colombe. Avec son, oui, voilà, avec son, tout à fait. Son acolyte, camarade, oui, qui était pianiste et compositeur. Donc Mohamed Bousmaha a perdu la vie hier dans un accident de la route en Belgique. Allah yarhamo. Donc on lui rend hommage cette matinée. Originaire de Sidi Blabès, Mohamed Bousmaha est un artiste chanteur dans le style raï révélé par l'émission Al-Han wa Shabab. Il s'est lancé dans une carrière musicale avec plusieurs collaborations, notamment avec son ami, compositeur, parolier et pianiste Amin Ben Ayred, alias La Colombe. Inséparable, ce duo artistique a sorti plusieurs chansons revenant sur la société, l'amour et de la jeunesse algérienne. Mohamed Bousmaha était également commissaire du festival de la chanson raï. Il militait pour lancer une génération de chanteurs راي ستركتوري. ما بوان دو فيو اسو فيستيفال لا انا نقول انطلاقه جديده وكانه وليد جديد ما نحكوش على السنوات اللي قبل ما نحكوش على لي زاني باسي بوتيتر اون ا دي بروبليم اون ا دي بروبليم دو اورغانيزاسيون اون ا دي بروبليم دو 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 جو سي با كان عندنا بزاف مشاكل في طبيعه اللي فاتوا مي هاد ابتداء من السنه اللي فاتت كانت نقله نوعيه للمهرجان حنا لو بو تاعنا اترافير سو فيستيفال لا او بيان اترافير لي شونتور اون فا كري ان جينيراسيون دي شونتور ميم دو راي مي شونتي بيان ستركتوري des chanteurs académiques, pourquoi pas. Mohamed Bousmaha, ses débuts a été révélé par l'émission Al-Han wa Shabab. Ensuite, il a enchaîné jusqu'en mars dernier des tournées artistiques à travers l'Office National de la Culture et de l'Information qu'il considère comme son domicile artistique. Khadija Dahmani, directrice de la communication de l'ONCI. Représentant bien sûr nos sincères condoléances suite à sa disparition et aussi bien sûr Amin Lacolombe qui est un compositeur qui a été derrière beaucoup de succès. Les succès de Mohamed Bousmaha, Allah yarrahmo, et aussi le succès de plusieurs chansons raï. Mohamed Bousmaha, candidat de Al-Han wa Shabab, l'ont essayé de son côté, l'a adopté depuis sa sortie, donc à travers des tournées, des spectacles qui ont sillonné l'Algérie. Donc, le dernier, c'était dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance, donc à travers un grand spectacle à Sidi Belabès. Donc, il est originaire justement de Sidi Belabès. On n'oublie pas que Mohamed Bousmaha, en plus de la carrière qui a marqué le public algérien, il était aussi le commissaire du festival du Raï et il défendait vraiment l'art algérien et le patrimoine surtout. C'est un jeune artiste très très engagé et très très sérieux, très professionnel. Donc nous retenons vraiment Kimakani Rolhoua, l'OACI, c'est Dari, c'est chez lui. On est vraiment très très touchés de sa disparition. Nous retenons aussi des succès lors de ses spectacles. Il a fait une tournée avec l'ONCI entre Constantine, Oran et Alger le 8 mars 2023. Et voilà, Birahmo et toutes nos condoléances encore une fois à la famille artistique notamment. Mohamed Bousmaha nous a malheureusement quittés aux côtés de l'artiste Amin Ben Ayred dans un tragique accident de la route en Belgique. Nos sincères condoléances à sa famille et ses proches. Nos sincères condoléances à sa fille, à sa famille et ses proches. Mohamed Bousmaha avait plein de projets, de chansons, d'albums. Il était jeune surtout. Jeune, il avait tout l'avenir devant lui pour développer le raï qu'il affectionnait tant, entouré de toutes les stars du raï. D'ailleurs, elles sont toutes émues pour sa perte. Sbar pour toute sa famille. Rappelons, c'est ce drame c'est causé par un facteur humain. Voilà, tout simplement. C'est l'accident de voilà, l'accident de la route, le chauffeur qui n'a pas pris toutes ses précautions. Et en fait, et il était non seulement chanteur de raï, il était également commissaire du Festival du Raï, mais également les artistes échangeaient par rapport à lui. Il les aidait dans l'écriture de scénarios pour l'audiovisuel, que ce soit les séries ou cinéma. Il avait beaucoup d'idées, hein, il partageait. Il a tourné, il a fait aussi de l'acting. C'est tragique, il a même fait une vidéo quelques heures avant où il disait, je crois que c'est ma dernière vidéo. Enfin voilà, c'est un destin, une vie en construction, malheureusement, qui s'arrête là. Tout à fait. Merci beaucoup Salim, on vous retrouve dès demain matin dans la matinale. Inch'Allah, avec plaisir. Merci beaucoup.